m'appelle Adjaï Mahoni, j'habite Rivière Baptiste, Pétuviers et Saint-Pierre. Je fais la plantation sur ce terrain-là, qui y trouve environ 200 mètres depuis côte Moresté. Je fais la plantation depuis 1994 à Saint-Jouchet. Mais moi, je ne mets pas beaucoup de pesticides dans ma plantation parce que je connais les néfastes pour la santé, pour tout être humain. Comme nous-mêmes, n'importe comme ma madame qui est venue, comme on trouvait une abrinzel, qui a accueilli pour aller pour cuire, calbasse, tout le monde qui m'a planté. Mais pour cette raison-là, qui m'a servi de pesticides moins. Pesticides, c'est un produit, comme son nom dit, pesticides, ça veut dire les bonnes pestes, comme un insecte, maladie. Et cid, c'est un poison. Pesticides, c'est un poison qui tue un insecte, une maladie. Et en même temps, il y a aussi un insecte bénéficiaire dans la nature, comme abeille, un prédateur, il y a aussi pour tuer ça. Et les pesticides qui nous sont à Maurice, ils sont regroupés dans insecticides, fongicides, nous avons un acaricide. Tout ça, c'est un produit. Là, c'est fini par cid, ça veut dire C-I-D-E. Cid veut dire que c'est un poison toxique. Et comme on dit, c'est un poison toxique là, il tue un insecte maladie, il tue un insecte bénéficiaire, il est aussi néfaste pour la santé si nous mal servis. Et les pesticides, malheureusement, nous peuvent servir depuis assez longtemps à Maurice. Et qui fait nous servir, qui fait mon camarade planté à servir, c'est pour contrôler un insecte maladie. Et nous trouvons que si servir bien, et là, nous avons une bonne récolte avec lui. Si mal servi, si nous n'avons pas respecté ce dose, si nous n'avons pas respecté ce qui est plus important, c'est qui date nous besoin récolter après que nous finissons l'application. C'est ce que nous appelons ça pre-harvest interval. Si nous n'avons pas respecté tout cela, et si nous n'avons pas respecté aussi le qui culture nous peut appliquer, ça veut dire que nous appliquons dans n'importe qui culture, n'importe qui produit, là, il pose un risque. Parce qu'il ne va pas connaître quand nous avons besoin de récolter. Je me suis servi de pesticides, mais je suis capable de dire que je me suis servi 10%. Avant, je me suis servi un petit peu plus, mais depuis que je me suis suivi avec Smart Agriculture, après Farai, je me suis servi de pesticides moins. Parce que pour servir de pesticides moins, c'est possible. Parce que nous avons besoin de respecter un certain paramètre quand nous plantons. Pareil, comment pour trouver ça le beau chemin, on met un très beau chouchou. Après, on déroule un fencing. Et puis, ça, on a une plante comme en brevade et en haricin. Ça, il y a un auxiliaire, c'est-à-dire un insecte bénéfique qui reste en bas sur la feuille. Et là, qui vient attaquer les légumes là. Mais aussi, il y a un prédateur qui reste dans sa feuille là, finit attaquer les autres là-bas. Et puis, ça, l'état vient dans vos plantations. Les autres viennent, les autres mangent, après, les autres à la vite là-bas. Mais comment ne pas planter tous les légumes toute longue l'année? Et dans cette bonne saison, là, je vais faire une plantation calebasse. Mes plantations là, sont presque finies. Mais je ne vais pas mettre herbicide dans ce terrain-là. Nous pouvons enlever cette bande blanche, nous pouvons faire une pile là-bas, qui est pour décomposer, pour faire une compost. Là, nous pouvons retourner vers la terre. Après ça, nous pouvons biner. Ça, ensuite, l'état nous pouvons biner, nous ne pouvons pas biner plus que 15 cm. Juste sur le top sol, nous ne pouvons pas mettre gros tracteur. Nous pouvons faire à l'aide d'un motoculteur. Quand nous pouvons faire Smart Agriculture, dans un terrain, nous ne pouvons pas faire une seule plantation. Comment dire, nous mettre carottes ou bien le chou. Je fais envisage pour mettre au moins 8 plantations dans un arpent ici. Pour finir le plan, je divise mon carreau par mètre carré. Et là, je peux diviser pour mettre le chou, laitue, carotte, brocoli et chou-fleur avec tout bon légumes de saison. Je peux choisir cette variété de légumes-là parce qu'il est propice pour sa saison-là, pour ce climat-là. Et puis ça, je vais mettre un target qui, vers mi-juin, je suis bien capable de finir cultiver tout mon terrain et capable de faire récolte en même temps. Le temps pour faire récolte, nous avons un panier qui a 8 à 10 variétés de légumes dedans. C'est quand nous récoltons un produit, un légume qui est un pesticide, ça les représente un danger parce que le pesticide là, ce résidu, il reste le légume là. Si nous pas observons sa pre-harvest interval, c'est quand ça résidu là, il reste le légume là.
L'effet, c'est un consommateur, une personne consomme ça, ça lui rentre sur le corps et ça lui empoisonne sa personne-là. Et doucement, doucement, ça lui, ça produit là, ça pesticide là, ça poison là, il est accumulé dans une personne sur le corps. C'est à la longue. Nous n'avons pas un problème, la santé, tout de suite, nous mangeons un légume qui a pesticide aujourd'hui même nous malade. Non, ce n'est pas comme ça. C'est dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans que nous trouvons sur les filets là. Malheureusement, il est capable de venir un peu trop tard. Il applique pareil pour moi. Du monde qui applique pesticides, c'est tout man sprayman, man personne qui travaille de plantation. D'autres qui appliquent pesticides, qui est un poison, mais malheureusement, bien souvent, nous trouvons qu'ils ne mettent pas les gants, ils ont une botte, ils ont une respiratory masque spécial pour appliquer pesticides. Sa personne qui peut appliquer pesticides là, c'est la première personne qui a un risque, parce que pesticides, c'est comment on dit, c'est un poison. De quelle façon il y a un risque? Sa personne là, s'il est mal équipé, premier, quand ça pesticide là, quand il peut respirer, quand il peut appliquer, il peut respirer ça pour rentrer sur le corps, ça a une façon. Il peut capable quand il rentre en contact avec sur la peau, il est capable ça pour capable rentrer dans sur le corps. L'autre façon aussi, il peut manger, si pas il peut fumer une cigarette, ça aussi pour rentrer sur le corps à travers sur la bouche. Et là, c'est qui arrive à la longue, nous pouvons trouver sa personne là aussi, il peut commencer malade. Et quand nous servons les pesticides, il commence à attaquer nos organes, il est capable même attaquer nos ligiers, nous avons un problème ligier. Et le ben, poison peut accumuler dans nos foies. Et là, nous avons un problème dans nos foies. Et tout cela, comment on dit, nous ne pouvons pas trouver tout de suite. Bien souvent, quand nous avons un planteur, servir les pesticides, bien sûr, nous peut servir jamais un malade. Mais comment on dit, malade là, il ne peut pas venir aujourd'hui, il peut venir après bien une longue époque. L'état où vous êtes au jardin, vous trouvez une quantité d'herbe, mais ce n'est pas une herbe sauvage, c'est une herbe bénéfique là-dedans. Mais au fur et à mesure qu'ils m'enlèvent les autres, vous identifiez les autres. Ce qui attire les abeilles, mais les autres. Pareil, comment vous trouvez ça, brette de chine là, et une abeille qui peut travailler là. Et puis ça, le reste de l'herbe, vous faites une pile qui livre un compost. Et puis ça, je ne vais pas dire quand vous parlez, mais vous habitez à faire régulièrement. Mais en permanence, vous avez ça. L'herbe qui finit de décomposer là, elle vient de compost, elle retourne vers la terre, et là, elle va planter. Je vais légumes comparé avec les autres légumes de bazar, je vais client fin côté moi avant. Par exemple, si je suis en cotomili, je ne vais pas me mettre fertilisant du tout, et puis ça, je ne vais pas mettre pesticides dedans. Je vais pas mettre, vu que je vais mettre fertilisant, mon cotomili, un client l'état il prend, il met dans un journal, il garde dans le réfrigérateur, il est capable de rester. Au moins 15 jours à 3 semaines. Et maintenant, parce que je dis à madame, je ne vais pas prendre le cotomili, c'est que je prends avec vous là des semaines, et encore, moi encore, je peux servir. Et il y a une loi qui contrôle l'importation, ça veut dire que toute importation de pesticides est contrôlée par le Dangerous Chemical Control Board qui trouve sous le ministère de la Santé. Et il n'est pas vrai pour dire que n'importe qui du monde a droit à un pesticide. Il y a un PMI, il y a un enregistré, il y a là pour une autorisation pour importer un produit, un pesticide. Quand ce pesticide-là rentre dans Maurice, faire un test, tester son efficacité, l'ELA recommandé. Et quand recommandé, l'ELA a un label qui a le bon conteneur pesticide. Et ce label-là, c'est qui bon planter pour bien suivre à la lettre. De ce label-là, il y a plusieurs informations. Première information, pour qui produit ça, qui se pourcentage. L'autre information, c'est qui pour qui culture ou qui a servi, qui légume. Et après, nous avons information sur qui se dose, qui se pre-harvest interval. Pre-harvest interval veut dire, ou applique les aujourd'hui, après combien de jours vous avez récolté ce légume-là. Et l'autre information, ce qui est important, ça contient un pesticide-là. Quand vous finissez, comment vous disposez, comment vous êtes-li? Est-ce que vous êtes-li dans la terre ou ça vous besoin nettoyer, rincer trois fois? Et ça, pesticide qui vous rince là, vous servez-li? Et ça contient un pesticide-là, quand vous êtes-li? Et qui a un équipement ou besoin de servir? Ou besoin de servir masque, les gants, ou besoin de servir bottes? Tout ça, c'est une information. Là, les troubles, ça, label. Jusqu'à quand nous ne passons pas la loi, là, ça, c'est une recommandation, le label. Là, qui a une recommandation? Ce n'est pas illégal. C'est un ministère qui fait, il vient avec une loi qui s'appelle Use of Pesticide Act, qui passe dans le Parlement en septembre l'année dernière. Il y a là qui est arrivé tout ça, les informations qui sont dans le label, là, les vignes légales. Ça veut dire, dose, ou besoin respecter dose à ce terme, ou besoin respecter combien de jours avant, ou besoin appliquer la loi au faire récolte, ou besoin respecter qui est une culture,
pour capable appliquer. Ça veut dire tout ça mon information là vient légale. Et là encore une affaire ce qui nous peut faire, c'est comment causer de ban conteneur plastique parce que nous remarquons qu'il y a plus que 30 tonnes de conteneurs plastiques, conteneurs pesticides qui étaient dans la nature à Maurice. Et ça lui pose un grand problème pour l'environnement. Et là, le ministère vient déjà fini commencer ensemble avec CropLife, ensemble avec Fare, qui permet de ban conteneur pour pesticides bin, qui ban planter capable nettoyer les autres conteneurs avec zeta de savane bin là. Et là, le ministère pour passer pour ramasser. Ça a une affaire. L'autre affaire, nous trouvons qui va planter. Nous avons une formation pour servir comment utiliser les pesticides. Là, ensemble avec Fare, le ministère peut donner un training. D'après la loi, toute personne qui applique les pesticides a besoin d'un training comment utiliser les pesticides. D'après ça, la nouvelle loi qui est passée là. Nous pouvons appliquer doucement, doucement. L'autre affaire de sa pesticide use. Use of pesticide act là, et in set up un pesticide regulatory office. Sa office là, son rôle c'est à collecter ban échantillons légumes, échantillons fruits, amène les laboratoires. Et en ce moment, il y a Fare aussi qui peut faire sa collecte là, puis amène ban échantillons laboratoire, puis analyser. Et là, peut guetter qui quantité résidus pesticides. Mokadje, nous en a environ problème résidus pesticides à Maurice, l'y pas encore résoudre à 100%. Nous encore trouvons un échantillon légumes qui est un pesticide. Ça veut dire, nous ne pouvons pas dire que 100% planté à Maurice peut mal servir pesticide, mais il y a un petit groupe planté peut mal servir pesticide. Et là, nous trouvons qu'environ 10 à 3% d'un échantillon qui nous prend et un pesticide là-dedans. Là, ce qui nous fait, c'est un regulatory office là. Quand il prend un échantillon, il donne une notice pour collection. Là, s'il y a un problème, il donne une improvement notice. Là, nous ne servons plusieurs improvement notice pour planter parce que les légumes tiennent une dose pesticide qui, comment on dit, a un maximum résidu limite. Et nous donnons une improvement notice. Après qu'il nous donne une improvement notice, nous reprenons l'échantillon. Là, nous trouvons un problème là pour résoudre par lui-même. Comme on pratique ce type de plantation-là, agriculture raisonnée, mais les légumes viennent plus bon, côté goût. Et puis ça, les temps de cuillère par un délo, par exemple, si calbasse avec les choux, si je cuis, le client prend les choux vite. Si peinard, côté moi, les là, je prends ailleurs.